pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je vous écoute, ma fille. J'ai levé la main sur mon poil, Émile. Vous lui en avez collé une? Mon tout petit. Le dernier né de mes six angelots. Nous y voilà. Si vous saviez, mon père, tout a commencé quand j'ai rangé sa chambre. Un vrai Capharnaüm. J'y ai trouvé l'instrument du malin. Fourche? Pardon? Mais non! Je veux dire après... Un presse-purée. Oh, mais non, voyons. Un presse... Bite! Un presse-bite. Ah oui, si vous voulez. Et alors? Et alors, Dieu merci, il n'avait pas servi. King size. Mon père, dites-moi ce que je dois faire. Il a juste besoin d'être guidé dans l'âge adulte, ce petit. Vous devez lui expliquer comment s'y prendre. Justement, je ne sais pas comment m'y prendre. Hein? Ah, oui. Alors, bon, il faut que le... qu'il soit bien droit. Veillez à la posture. Ensuite, le pincer. Le pincer. Et pour finir, il faut bien dérouler jusqu'à la base. C'est-à-dire? Qu'il soit bien couvert. Oh, bah ça ira. Il sait s'habiller tout seul quand même, à 35 ans. J'ai trouvé ceci, dans le confessionnal. Ah, oui, la capote. Vous allez rire, c'est au fils du verger. Le fils du verger, mm-hmm. Il y en a six. Ah, c'est quoi, là, son prénom, déjà, là, c'est... Paul-Émile. Ouais. Ce soir, je recommanderai Paul-Émile à la Sainte Vierge. Vierge. Abonne-toi, mon enfant, et n'oublie pas d'activer la cloche.